Voilà, chers téléspectateurs de Djama TV, en complicité avec Mobile TV, nous sommes déjà arrivés à l'aéroport international de Blaise-Diagne. Voilà, pour recevoir Gianni Alpha, le chef rebelle. Voilà, on voit déjà, il est parmi nous. Gringito, ça pute. Ça va, fils? Ah, ça c'est mon gars. Ça c'est mon frère. On dort pas. Voilà, vous voyez déjà, nous sommes à l'aéroport international de Blaise-Diagne, compte de l'accueil de Gianni Alpha, le chef rebelle, qui a rendez-vous avec la communauté guinéenne et sénégalaise le 28 mai prochain au stade Ibamar Diop à partir de 18h, selon en tout cas les organisateurs. Il est déjà ici. Gianni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci et bienvenue parmi nous. Merci à vous, merci à vous. Merci aux organisateurs. Merci à toutes les équipes qui sont en train de travailler autour de l'événement prévu le 28 mai au stade Ibamar Diop à partir de 18h, comme vous l'avez dit. Voilà, et moi, pour la communauté guinéenne qui est déjà là, pour la communauté aussi sénégalaise qui te kiffe très fort déjà, nous partons dans les boîtes de nuit, nous écoutons les DJ qui commentent très bien tes musiques, et moi aussi pour cette communauté. Déjà, merci pour tout ce que la communauté guinéenne qui réside au Sénégal a déjà eu à faire pour moi et tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci pour le Sénégal qui moi est mon deuxième pays. C'est quand même ici que j'ai fait une partie de ma jeunesse et ici que j'ai fait mes études. Donc revenir ici aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans plus tard, dans le cadre de ma tournée Peace Tour, justement pouvoir être en concert et pouvoir pour la première fois, parce que c'est la première fois, j'ai déjà fait des concerts ici à Dakar, mais c'est la première fois qu'il y a un concert où la tête d'affiche principale c'est Gianni Alpha. Donc c'est une date qui nous tient à cœur, une date qu'on a très bien préparée artistiquement, humainement et moralement, et on compte vraiment sur le soutien de tous pour que cet événement soit exceptionnel. Voilà, on a vu quand même que tu as fait beaucoup de tournées en Guinée. On a vu qu'on a créé Mamou, Labé. La fatigue ne va pas trop jouer sur toi pour le moment. Non, ça va, on est prêt. On est prêt, bon, vous savez, hein, c'est notre travail. Le médecin, il part à l'hôpital tous les jours. Voilà, mais c'est pas parce qu'il a fait une opération la veille que demain, il va pas pouvoir en refaire une autre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre de la tournée Peace Tour pour la promotion de mon dernier album que nous avons sorti le 22 janvier au Stade Général Lansana Conté de Nongo, que nous sommes à Dakar. Sous l'organisation de Phonique Productions et 99 Records. Donc voilà, le concert est prévu le 28 mai à partir de... Beaucoup de tes concerts, cette fois-ci, il y aura une particularité? Est-ce qu'il y aura un plus? Évidemment qu'il y aura une particularité. Comme je vous ai dit déjà, c'est déjà une grande ville artistique. Et le Sénégal, étant un pays frère de la Guinée, tu vois, une énorme communauté où nous avons d'énormes frères et sœurs, tu vois, qui ont leur vie ici. Donc le concert que nous allons présenter ici, c'est un concert exceptionnel qui sera à l'image de la ville et des habitants de cette ville-là. Voilà, il y a la fatigue, on ne va pas trop te retenir. Un message pour les fans, les sikers et tous ceux qui veulent assister au concert, parce que là on parle de couvre-feu, parfois on parle de ramasse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, rien. Ah, tout le monde est invité au stade Ibamar Diop le 28 mai à partir de 18h au stade Ibamar Diop. Maintenant, pour tout ce qui est sécuritaire, les
du spectacle, c'est des professionnels en la matière, aussi bien Phonique Production que 99 Records. C'est des personnes qui ont déjà eu à gérer de gros événements, donc je sais que toutes les dispositions ont été prises pour que il n'y ait aucun incident regrettable, en tout cas au stade et aux alentours du stade. Nous invitons vraiment toutes les personnes, tous les Ménomales, toute la communauté, aussi bien guinéenne que sénégalaise, et les autres Africains bien sûr qui vivent ici à Dakar, à venir le 28 mai et à être prêts par eux-mêmes aussi, vous comprenez ce que je veux dire, se mettre en sécurité soi-même, vous comprenez ce que je veux dire, et ensemble, les uns en comptant sur les autres, nous allons faire un grand événement, Inch'Allah, on viendra en toute sécurité et on rentrera chez nous en toute sécurité, Inch'Allah. On ne va pas te retenir, on se retrouve demain, Inch'Allah, bien. Inch'Allah, merci beaucoup la famille, merci beaucoup. Vous avez compris, c'était Gianni Alpha qui a quand même tenté de rassurer, vous le voyez en compagnie de DJ Diallo, son ami intime. Couvre-feu wala wala police ni ni yo concernant no lati artiste ngi ngarani mu aray e weltani ke jama fop wona o ma o aray deux mois en polar wona tadi yimbe ben parce que mené yido yimbe ben fo majorité on fulbe ben no gamo ja kon dum maranda be tikiti. Tu vois, on a dit déjà concert Dido sur d'autres dates, mais c'est la première fois qu'on a dit concert à Gianni Alpha Ouni, artiste principal. John. Tu vois, et nous avons dit qu'il y a un stade où on a dit, donc c'est quelque chose de très, très important. C'est une histoire particulière. Quotidien on est là à Dakar. Donc agenda malgré que ça soit chargé. Et merci aux organisateurs, Phonique Production et 99 Records justement, parce que vidéo mon sac de pardon, mais les pigeons traditionnels, pourquoi on a dit que c'est très très important. On dit qu'il y a là que le nom. On dit qu'il y a là que le nom. On dit qu'au niveau, qu'au culture, mon nom, quoi, en fait. On a Pullo, on a Sosojo, on a Maninka, on a Serrejo, on a Wolof, on a une culture, on a un nom, on a un nom. Gianni Alpha, qui a un concert à Sambiaro à partir de 18h. Fopio Ar, Hare Welei, Mawela, merci Gianni Alpha. Merci beaucoup Didier Diallo, merci beaucoup. Voilà, on va toujours rester avec rapidement les organisateurs. Hein? Voilà. C'est comment, boss? Déjà, on voit le patron de Phonique et l'âge qui est là. On va très rapidement prendre un doyen en direct. Lui aussi, il va tenter de rassurer. Merci beaucoup. C'est l'un de ses représentants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quel est votre nom? Mario. Voilà. Vous êtes l'un des représentants de Gianni ici à Dakar, ou peut-être même le représentant de Gianni. Ouais. Dites-nous dans quel moment vous vivez l'arrivée de Gianni et cette organisation. Comme vous l'avez vu, Gianni est là, on est prêt et la communication va continuer. Ça a commencé depuis, vous avez vu. Et soyez prêts pour le 28, n'ayez aucune crainte, il y aura la sécurité, il y aura tout, ça va se passer comme ça va bien se passer. Que tout le monde prenne son ticket et rendez-vous le 28 au stade Ibama. On a préparé un show fire et voilà, on est dessus depuis un bon moment. Donc vous serez content. Vous avez compris sans doute, pas des inquiétudes autour de cet événement. Il y aura effectivement le concert le 28 à venir au stade Ibama Diop à partir de 18h. Donc rendez-vous à ne pas rater. Il y aura d'autres émissions avec Gianni et tout son staff ici à Dakar avant le 28 également. Restez connectés sur Diama TV, sur Mobile TV, les deux médias partenaires vont vous accompagner durant ces moments. Voilà, ça c'est le patron de Phonique. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Hamidou. Vous êtes en direct sur Diama TV et Mobile TV, dernier déjà à Dakar. Ouais. Je tourne d'abord. Gianni, comme vous l'avez dit,
Et on convie toute la communauté africaine, je dirais même plus guinéenne, mais africaine en général, pour qu'on puisse fêter la chose, quoi. Et je pense que ceux qui connaissent un petit peu Foniqué dans le cadre événementiel guinéen à Dakar savent que ce sera quelque chose de grandiose et ce sera toujours quelque chose de lourd, quoi. Tout le monde est invité, on espère que la fête sera belle. Le mot couvre-feu est toujours répété à Dakar pour le moment. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bon, je pense que peut-être qu'il y a un amalgame dans l'utilisation du mot, quoi. Certains disent que sécurisation, ce n'est pas réellement un couvre-feu. Parce que si c'était un couvre-feu, nous on a quitté Dakar 21 ans et quelques. Donc on ne serait pas arrivé à l'aéroport. Donc pour dire aux gens qu'il n'y a pas de couvre-feu, c'est juste des opérations de sécurisation. Et c'est que ça. Et ça arrange aussi la population. Hein? Ça arrange la population, bien sûr. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'agressions dernièrement. Donc c'est toujours dans le sens de sécuriser les gens et pas autre chose. Donc comme on dit, on attend tout le monde. Hélas, ça fait plusieurs mois de voir des préparations au concert. Yeah. Donc il y a beaucoup d'autres structures qui sont là. Je vais citer peut-être, il y a Koukessoum, il y a Tanirabe, il y a Eto, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de simulations, donc on va bien quoi. C'est bon, ça, voilà. On va pas vous retenir. Voilà, on va prendre la direction pour Dakar avec tout le staff. Rendez-vous demain sur Diama et sur Mobile TV. Alpha a fait le bout de Moma Kosovo. J'ai encore une place. Ok. Vous trois, Donnez-moi un téléphone. Ok. Okay.